Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Novelas TV. N'oubliez pas de vous abonner et regarder dans la barre de description, vous trouverez les liens pour regarder la série complète. Aujourd'hui, nous allons parler de Carole Miranda, de son vrai nom Camila Pitanga. Ce nom utilise les coutumes de dénomination portugaise. Le premier nom de famille maternelle est Manas et le deuxième nom de famille paternelle est Sampaio. Camila Manas Sampaio, née le 14 juin 1977. Mieux connue sous le nom de Camila Pitanga, est une actrice brésilienne et ancienne mannequin. Elle est reconnue internationalement pour ses rôles dans les films et les telenovelas. Dans les films, elle est connue pour ses rôles dans Quilombo, Caramuru, L'invention du Brésil, Rédempteur, Je recevrai les pires nouvelles de vos belles lèvres, Une histoire d'amour et de fureur entre autres. À la télévision, elle est connue pour ses rôles dans Paradis tropical, Rédemption, L'ado à l'ado, Les couleurs de la liberté, Babylonia et Velho Chico. Vie privée, Pitanga est née à Rio de Janeiro, au Brésil. Elle est la fille des acteurs Vera Manas et Antonio Pitanga et la belle-fille de Benedita da Silva. Elle est la sœur de Rocco Pitanga, également acteur. Elle est d'origine africaine du côté de son père et de sa mère. Camila a étudié au Pentagon College et elle est directrice du Human Rights Movement. Camila est athée. En 2001, elle épouse le directeur artistique Claudio Amaral Peixoto. Le 19 mai 2008, elle a donné naissance à sa première fille Antonia. Le nom de la fille était un hommage à son père. En 2011, le couple s'est séparé. Carrière. Camila est active dans l'industrie depuis 1984 jusqu'à présent. Elle a participé dans plus de 10 films et 19 séries et 7 pièces de théâtre. Elle était nominée 18 fois dans la catégorie de meilleure actrice et elle a remporté 16. Dites ce que vous en pensez de l'histoire de Camila et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé.